Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Ma décision, la police est à Olage Bazui. Ils ont la décision, il y a bien, il faut battre en action, puis il faut passer à suivre. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Merci Mingi, Bandeko Balani, Mbote Nabino, Banso, vraiment, merci pour la fidélité et confiance. Bonsoir, Kanabiso, Mikolo, Namikolo. Boye, Malamu, Namanaka, parlons-en, Yamokola, Lelo, Tozali, mardi, Mokolo, Ami, Ballet, mardi, Ezaka, parlons histoire, et Lelo, malgré férié, Lelo, Ezali, Mokolo, Patrice Emery Lumumba Tikaka Biso, en tout cas Mokolo officiellement ba annonsaka liwana ye enfin ba annonsaka en quelques jours après mais ba kufaka le 17 selon ce que Thomas Luaka nous a dit ici même en émission dans sa test en direct. Ce n'est pas le 17 mai qu'on a 61 qu'on avait annoncé sa mort, mais on a annoncé un mois après qu'il est mort, le 17 mai. Voilà donc Lelo Toko solo là, mais toko kobali solo to bandaki. Bon, de toutes les façons, to bandaki pe relobe la moto a koufa kilobi. Hein? Il y a 22 ans, mourait assassiné dans son bureau, Laurent Désiré Kabila. Voilà. Laurent Désiré Kabila Makolo. Voilà. Na bureau nae, awa na palais de marbre. Comment les choses se sont-elles passées? Toyoka Mingi, Tolobela Yango même. Awa, je pense que voilà, t'auras l'occasion au Lobela Yango. D'ailleurs, depuis semaine passée, Tobanaye Kolobela, enfin depuis avant toi qui ne congé, Tobanaye Kolobela, Bitumba FDL, Oemema qui Laurent Désiré Kabila, Nabokonzi. Chapitre et les Kaki et Zalaki, l'isolo, il y a une négociation, hein, la négociation de paix. Poursuite, il y a Bitumba, paix, la négociation de paix. Dekotoma Lua Kambote Nayo. Mbote mingi ndeko Thierry Kamboudi. Voilà. Merci, meilleur vœu. Na yo pe lokola, c'est vrai que ton monde est depuis le 23 décembre, gestion de la guerre de l'AFDL et initiative de négociation de paix. Résumé, moke, il y a étape wana avant Tokoba. Merci mingi ndeko Thierry Kamboudi. Peut-être avant na to résumé émission passée, ko fongola moi parenthèse moke pour na deux dates yo. Il y a lelo na ya lobi et le kakilobi, donc le 16 janvier 2001, dans le 17 janvier 1961. Bada Twana, est-ce que Zali coïncidence, Zali hasard, tout le monde a dans quelles conditions les deux héros nationaux, Yambo Kanabiso wa Koufaki. Dans le mois de novembre 1960, jeune président Moko a gagné ba élection aux États-Unis, ba bengi na kombo ya John Fitzgerald Kennedy. Kennedy a gagné l'élection. L'un des proches collaborateurs, il y a Patrice Emery Lumumba. Tant que Bakangi Lumumba, na mois de décembre, le 2 décembre, proche collaborateur, na ye atikala ki na États-Unis, kombo na ye Thomas Kanza. Thomas Kanza na ba relation na ye na mwasi ya Kennedy, donc président ya Sika, mwasi na ye Jackie Kennedy. Thomas Kanza aye bakaye na Londres. Tangwazala qui est étudiant, Thomas Kanza, par travers Jackie Kennedy, a continué à contact na John Kennedy. A qui est plaidé Kaya leader naye, Patrice Emery Lumumba. Alors, voilà, Mokonzi nanga bakangie na Kinshasa, na Léopoldville à l'époque, Azali Bazako fundaye Kazali communiste, Azanae communiste était donc vraiment a plaidé Kaya Lumumba et pas à John Kennedy. Kennedy a ébissé Boye.
ngai na kokoma mokonzi effectif ya États-Unis après prestation de serment et salamaka le 20 janvier 1961. Donc janvier ya année landi élection. Alors donc pour l'instant nazali juste président élu, maintenant on a commis na pouvoir te. Après prestation de serment ngai na kotala ndenge nini na faire libérer Lumumba. Voilà ce que Thomas Kanza a obtenu na John Kennedy. Ba service ya renseignement américain, ba bengi yango CIA, ba zan information wana, ba tindi information na Kinshasa, ba lobby bo régler problème Lumumba avant prestation de serment ya Kennedy, parce que Kennedy azali décidé à kota makambu ya Lumumba. Voilà yango wana 3 jours avant prestation de serment, il y a John Fitzgerald Kennedy comme président des États-Unis, Lumumba Azali tué na Lubumbashi. 3 jours avant Kennedy a commencé contre les États-Unis. Tokoya komone loko ngwe koya ko se répéter les sousous des décennies plus tard, puisque na mois de novembre l'an 2000, un nouveau président des États-Unis est élu, kombonaye George Bush Jr. George W. Bush. Bush a commis président des États-Unis dans le mois de novembre, mais a prêté serment dans le mois de janvier, le 20 janvier 2001, pour remplacer Bill Clinton. 4 jours avant prestation, il y a serment, il y a George Bush, Laurent Désiré Kabila, Babomiye, pour na George Bush, a Kokuta, dossier où on déjà réglé. Gouvernement Zalakiana et Bill Clinton, 4 jours avant Balongwana pouvoir, Laurent Désiré Kabila a Koufi Awa. Est-ce que Zali coïncidence? Et Zali est le Komsusu, Moutouna Moutou, Akosala ba commentaire naïe. Voilà ma parenthèse Nakangi pour nous expliquer Ndengenini date, Oya Koufi 3 jours avant changement à gouvernement aux États-Unis, Omsusu 4 jours avant gouvernement échangé aux États-Unis. Voilà, bon, les actualités. Moi Liloba, par rapport à Liwa ya Kabila, oui. Par rapport à bon Liwa Lumumba to consacré là qui a déjà tout chapitre moko na na ba mikolo et les kaki par rapport à Liwa ya Kabila, au-delà de tout ce qui s'est dit, oui. Yo na ba recherche na yo yebinini. Non, Liwa ya Kabila, Laurent Désiré Kabila nazali na ba information na quelques détails. Mais ndeko comme ezali dossier moko très sensible, il faut nazala sûr na ba information nazana ngo pour na livrer yango na public. Donc tikelanga ta na continuer ko recouper ba information nazana ngo. Il faut rappeler que dossier zakara ezaka kamoto ezongaka ezongaka surtout ba mikola boye. Mais on a presque dans les détails comment eloko ngo zakara. Voilà, il y a eu un film, il y a eu des livres, il y a eu des témoignages de ses proches. Hier encore Edi Kapend s'est exprimé là-dessus. Mokola tangwa kenda ki mozolé a incriminé pe bato balingi ba kosa ba pe sa version mosusu selon ye. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. On y reviendra. Alors, ok. Chapitre Nabiso Alelo. Donc, chapitre, il y a souka résumé, il y a souka tomonaki. Et monsieur, le kaki tomonaki, le kambouaba mercenaire. Tangu, armée, maréchal, les okou kalisusute. Initiative mi balé et ekozoama pour na recruter ba mercenaire. Initiative à Liboso, tobenga kiango initiative à Paris. Ezali 2 hommes politiques oba s'intéressaka na ba problème ba Afrique, toba animateur ya eloko ba benga ka France-Afrique. Ezali Jacques Foccart, très proche collaborateur ba président français. Yemoutoua tia eloko ana en place les réseaux France-Afrique. Donc Jacques Foccart, na collaborateur na yemoussous ba bengi Fernand Vibo. Baye ko décidé ko recruter un ancien mercenaire belge à Bundaka na Congo dans les années 60, azalaka lieutenant Bob Denard na kombo ya Christian Tavernier. Tango Victor wana ko benga no de code naye. Donc to mona indenge nini Tavernier a na ba mercenaire à peu près 280 na Kisangani na mois de janvier. Initiative mosusu ya ba mercenaire ezalaki na ebimi na niveau ya gouvernement, c'est-à-dire Kengo Adondo na Muninga na ye ancien conseiller spécial ya maréchal Mobutu na kombo ya Setiyane bango pe ba recruter colonel Hugo azalaka serbe yepe aye à peu près na 150 mindele na Kisangani pona kobundisa ba rebelle. Barébel, tout le monde a qui a motivation à ba mercenaire. Mercenaire, ils allaient monter au footier Mbongo,
aye kokota bitumba na yo baba ne kopesa bango entre 1500 2000 dollars na soda molongo et puis officier ou azana grade à colonel abane ko soit à peu près 3500 na 5000 dollars par mois tout monde qui entre temps ba élément la biso ba phase ba dala qui très mal ba très mal payé ba misu bande ko soit 10 dollars ba misu 20 dollars et pesa ki kutu problème ba phase ba lingi soko bundate ba lobibi non de baza ko futa bino bokende ko ko bunda kuna d'ailleurs tout monde a eu peu dispositif mais le temps ba nommé chef des états major général a tiaki en place na trois axes ya Bitumba azui atie général Kalume na Kisangani na axe ya Kisangani général Filemo Kisempia na axe ya Kindu et puis général Bekazwa na axe ya Kalemi général Amela azali coordonnateur ya ba trois axes wana na Kisangani et puis tout monde qui yango ba négociation likambo ba négociation et posa ki problème parce que dès le départ, Laurent Désiré Kabila tangwa sali meeting na ya liboso a annoncé biloko mibale. Nazali décidé, tozali décidé yakobundisa maréchal par les armes Tito Benganaye. Deuxième point, biso tozali disposé yako négocier départ ya maréchal. Mais tout monde qui position ya maréchal vis-à-vis à négociation dans un premier temps, maréchal alobi yako iko solana Laurent Désiré Kabila tazali marionnette s'il faut discuter ako discuter na ba obaza ko agresser ye parrainé Rwanda na Uganda wana position maréchal position ya gouvernement Kengo toko iko discuter na Laurent Désiré Kabila tazali marionnette mais bisope Rwanda na Uganda toko discuter na bangote tant que bazali na ba troupe awa na territoire na biso faut balongolana ba soldat na bango. Donc le maréchal Mobutu était un peu plus ouvert. Exactement. Que le gouvernement Kengo. Le gouvernement Kengo était plus radical. Mm. Yango wana maréchal discrètement akoyako tinda conseiller na ye honoré Ngwanda akende okuta na Museveni na Kampala po baba na kosolola. Museveni yambi Ngwanda ayebise avant on peut sanga message hein to solana yo est-ce que koyeko senga maréchal a autorisé yo au leto sola biso mibale donc nga Museveni na Ngwanda to associé vice-président rwandais Paul Kagame na masolo oyo. Mm. Et puis deuxièmement, est-ce que maréchal a ko proposé ko autorisé auto sala moi document mon projet ya ordre du jour ya ba discussion na biso. Maréchal a autorisé ki yango na to mona ki le 5 novembre Kagame ya ki na Kampala akutani na Honoré Ngwanda na Museveni tango basololi Museveni abimisi document moko ya 12 points apesi Ngwanda lobi ola ki sa maréchal aza mokolo na biso to imposer le côté yaka ba aide yeli biso soki akoye ko pesa biso point de vue na ye na document wana donc voilà et puis Kinshasa Ngwanda bengi Mobutu expliquer que il faut longwa kuna parce que gouvernement est à prendre que ozali na Kampala oza kosolana Museveni na Kagame awa makambu échauffé et puis ba États-Unis peut ba intervenir donc voilà ça avait capoté mais Ngwanda yena document na 12 points sommet à Nairobi salami Congo qui était parce que justement position à Kengo toko solana ba twana te tant que bazana te Ngwanda okene na Nigeria Mobutu tini ya Nigeria ba Nigerien Sani Abacha président Nigeria a promettre Mobutu que toko intervenir parce que biso ba Nigerien tous la kanon yongo a Congo bosali saka biso na guerre de sécession ya Biafra ya 1967-1970 Mobutu atindaka ba soldats congolais bakende ko kufa pona Nigeria e panzanate donc voilà nyongo oyo ba Nigeria bazala kanongo vis-à-vis na biso yango wana Sania ba chakutinda émissaire na yeba ya ko préparer intervention na ye malheureusement dossier ba Nigerien ba généreux ya Mobutu bako wele lango pona ba gérango parce que ba yebike mbongo ko za na sima Sania ba chako za la dessus ako se retirer et puis toi comme on a ba sommet mo sous ya Brazzaville ya Ouagadougou sommet ya Nairobi sommet ya Kinshasa nyonso wana e pesa ki penza eloko ya malongate peut-être point ya avant dernier point ya résumé ya émission passée ezali rencontre ya maréchal na roi Hassan II ya Maroc le 5 janvier 1997 Mobutu auti Nice po zonga Congo a telemi na Maroc na Maroc wana Hassan II en toute amitié akoyebisa Mobutu quatre vérités en tout cas point de vue na ye première vérité le maréchal Mobutu oza moninga na ngai il y a 20 ans natindelaka oba soda na Bitumba Shaba Shaba 1 po baya ko aider yo Hassan II atindaka 1500 Marocains bayaki ko bengana ba rebelle na
bitumba ya Shaba 1. Et puis, à l'obimé tour, au moins, il y a des choses qui sont parce que le contexte, il y a l'environnement mondial ici, est changé. Deuxièmement, na yoki ke osa kolingo monter unité moko spéciale pour na stopper ka ba rebelle pour ba na ba discussion na bango ngai nazali disposé na tindelao ba expert ba généraux pour na encadrer unité wana. Troisième message, selon ba information ngana zanango asande mtazolo ba situation na terrain eza na défaveur na yo ba rapport de force armée na yo eza ko défendre le soutien bazako bundate yango anangana proposer en toute amitié zala souple solo la na batunyoso s'il faut solo na ba rebelle solo na bango s'il faut solo na ba ugandé na ba rwandais solo la na bango ozana chouate. Quatrième et dernier point ya asande ayebisi mobutu ngai na s'engager ko solana Bill Clinton. À l'époque, Bill Clinton, président des États-Unis, parce que yo osa lié na bango, gana za lié na bango, nyonso makamu nyonso salisa bango, salisa ba américain, tango osa mokondi ya Congo, na koki kondimate lelo ba banda ko traité ndenge baza ko traité yo. Vraiment, na koyebisa Bill Clinton a assouplir position na ye, et puis ba humilier te, il faut tout luka, solution moko ba humilier te quand même au aider bango mingi. Donc voilà comment Kenani Maréchal Azungia wana ba conseil ya Hassan II et puis Tomonaki point ya Souka ya émission na biso tiko leka le 10 février 1997 Kengo adondona gouvernement na eba ko ya ko changer avis désormais bandimi ko solola naba Ougandé naba Rwandais sans condition préalable ya retrait ya ba troupe na bango. Ponanini Kengo Adondo a changé avis parce que le 10 février, ville morte moko munene et salamaki wana Kinshasa, organisée par Etienne Tshisekedi na UDPS, na ba parti politique mususi ya opposition, ville morte wana et zala ki succès puisque batu ba bima kite, donc Kengo Adondo a monike ça devient sérieux. Alors dit ok, tokoiko sola, siko na ba Ougandé, na ba Rwandais, condition préalable. Malheureusement pour na Kengo Adondo na gouvernement, tant que kondima le 10 février on a négocié, il est presque trop tard pour Nanini, parce que, premier facteur, Soda et Laurent Désiré Kabila, Babandi Kobimana, centre de formation, Laurent Désiré Kabila, Babandi Kobimana, recruté fin octobre, à Fongoli, centre de formation, centre de formation des bases et armées, et Zoka, 3 mois, donc novembre, décembre, janvier, Bakadogo, Bassisi formation, bataillon Afdel et Babandi Kobimana, Laurent Désiré Kabila, comme il est sous Makassi, puisque le nombre de militaires n'a augmenté. Deuxième facteur, pour rendre négociation, acceptation à négociation trop tard par le gouvernement, c'est le fait que fin janvier, les Angolais ont décidé de Kota Bitumba Oyo, na côté ya Afdel. Donc, Angolais, il faut radicaliser la position. Il y a Laurent Kabila, Koebisae, ce n'est pas la peine de discuter dans Mobutu. Azadi a maltraité Bissomingi en Angola pendant 20 ans. Na soutien à apporter à la rebelle. Il y a UNITA, il y a Jonas Kavimbi, Touroyo, Viewana, il faut akende. Donc voilà comment Esikato Sukaki, acceptation à la négociation et puis na. Bah, paramètres n'ont pas changé d'intérêt. Il faut rappeler par rapport aux relations entre l'Angola et le Zaïre à l'époque, oui. Eduardo dos Santos, au Lobeli en Mingi, là-bas, chapitre Bélé, Eduardo dos Santos, ça veut dire qu'on a rancune à Mobutu, et si la terre. Exactement. Et si la quitter parce que. Exactement, voilà. Tout le monde a encore un dernier élément. Tango Bitumba Afdel les bandits, Mobutu a tindi moana naye, les Angolais, bah, ils ont un combo à moana te, mais je pense que c'est Nzanga. Nzanga Mobutu a kena loanda kwa yu saba angole, message ya papa na ye donc ya Maréchal, alobi ke papa alobi, azako senga bino, boza la neutre na makambo yu bandi na est. Bokota makambo yu. Bokota makambo yu te, yepe a s'engager a ko soutenir sou sa vimite. Bangole bazo réfléchir, en même temps que Nzanga azana loanda, émissaire Moussousou, Azana Bailondo, na fief ya Savimbi, Azako Keneko Senga soutien à Savimbi, les services de renseignement ya Luanda, très efficace, Bazala ki au courant, Balobi vieux ya ko changete, toujours na cadre ba double G, Touroyo, Tolembi, donc Togondi Manisote. Voilà pourquoi Bakoti. Chapitre Alelo. Chapitre Alelo, donc on a poursuite kaka ya gestion ya guerre wana ya Afdel, Lelo Tokomona entrée en scène yaba Sud-Africain.
Le 10 février, nous avons dit que le gouvernement a changé d'avis. Bandimi ko négocier le 11 février puisque gouvernement dimi si ko ba négociation le 11 février Mobutu a sengi na conseiller na ye Honoré Nguanda a kende Afrique du Sud kukutana soit na président Mandela ya Afrique du Sud soit vice président na ye pona ko senga bango ba organiser rencontre na Laurent Désiré Kabila pour babanda ko solola mais Mobutu a sengi na Nguanda vraiment. Et le kwana, il faut et salama na ndenge ya discrétion. Message Mobutu atindeli Laurent Désiré Kabila à travers Mwanda Yangoyo, yebisa Laurent Désiré Kabila, je suis disposé yako solola makambu nyonso. Il n'y aura pas de sujet tabou. Makambu ya gouvernement, ya ba institution, makambu ya fusion, il y a ba deux armées, donc armée Afdel na Faz, donc nazali disposé yako solola makambu nyonso. Mbanda azui akena Afrique du Sud akomi kuna le 14 abayambie na après-midi bayambie na vice-président Thabo Mbeki a pesi message pa Thabo Mbeki na yawa maréchal Alubi est-ce que possibilité zali ba organiser rencontre na Kabila na kutana na ina solana Thabo Mbeki Alubi en tout cas c'est une très très bonne nouvelle Mbanda tikanga na ona ke no pesa rapport parce que président Ngai donc Mandela ayepi koza koya azala ki penda impatient à quoi ba objet ya visite na yo lokolo ploye pesinga objet ango na ki ne ko pesa isango siko tabombe ka ke ya ke okutana Mandela a pesi Mandela rapport alobi voilà Mobutu atindi Nguanda pour organiser rencontre na Kabila. Mandela est très content Nguanda zongi e Mbeki ya zongi ayeko pesa rapport e pa Nguanda alobi en tout cas to sepeli mingi Mandela a félicité alobi vraiment Mobutu c'est un homme sage toko sala nyonso pour na ko éviter humiliation na ye parce que c'est vraiment un grand Tom, un grand Africain, et puis na sepeli, ça c'est Mandela, na acte à confiance, oyo mon frère, le président Mobutu, a sali vis-à-vis nangai, pour a impliquer nga na ba dossier oyo. Voilà comment sikoyo, Thabo Mbeki a pesi information mususu epa ya Nguanda. A ebisye dans quelques jours, naza koyamba vice-président des États-Unis, kombo na ye Al Gore. Al Gore a kozala en Afrique du Sud, Toko solo lanae longuement dossier ya Zaïre. Donc voilà, il faut trouver ensemble une sortie, une solution pacifique pour la maréchal. Donc yango na Thabo Mbeki a essayé ba service naie ba contacter Laurent Désiré Kabila. Nguanda azongi awana le 17 février a kekuta na maréchal na Gbado a kekupesa ye rapport et salamé. Sikoyo rencontre wana na Laurent Désiré Kabila o ezala ki prévu et koya ko échoué ponanine entre Nguanda na Laurent Désiré Kabila. Le 18 février, donc le 17 Nguanda pese rapport e pa Mobutu, le 18 février, ambassadeur ya Afrique du Sud o azala na Kinshasa a informé Nguanda que président vice-président Thabo Mbeki a lobby le 19 okene na Afrique du Sud parce que Laurent Désiré Kabila a koko maana comme ça beaucoup tana par rapport à iloko yo ndenge masololo to sololaki Mbanda pe a salini le 19 a zui avion a ken Afrique du Sud a komi kuna vers ba 13h30 tango a komi kana hotel na ye bwepo collaborateur na ye moko a ye ko yebisa ye me mokonzi situation wa eza biente ndenge ni RFI e uti ko annoncer na édition na bango ya 13h je crois que yo ozali na Afrique du Sud awa oye kokutana na Laurent Kabila. Ah. Mbana bi mena bisa ba Afrique Sud Afrique ke loko ezana na discrétion. Ndenge ni ne komilisu na ba RFI boye. Donc Mbanda vraiment très déstabilisé a bengi maréchal a PC rapport. Maréchal bi écoute yo mutoza na terrain o apprécié mengai awa ba coup de fil bando tomboka déjà. Kengwa dondo za ko benga tout le temps. Otindi Nguanda en Afrique du Sud, maréchal et grand politicien, a Wangani, non, je ne sais même pas Nguanda, et si Kazali. Si Koyo, Yangoana, ma Thabo Mbeki, a Koyo Koutana, na Honoré Nguanda, alobi non vraiment na sengi bolimbi si omone loko wana to senga e discrétion, mais ezavie moto a déconné. Oh, nani vie, oh, président Mandela. Président Mandela, tu évites ce qui âge, ce qui nini, il m'a tapé ces informations dans la presse, alors que tu as briefé qui est, et l'eau qu'on a. Merci. On y revient tout à l'heure après le bulletin d'information en Lingala. Parlons.
Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Ma décision, la police est à Olaj Bazui. Ça va décision, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut passer à suivi. Le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Ma décision, la police est à Olaj Bazui. Ça va décision, mon gros, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut passer à suivi. Parlons-en du lundi au vendredi en République démocratique du Congo. Balanzia Radio Top Congo FM tokutani biso na bino ya mbwezanga mokolo maliluko ya kopesa bino basangolo kotala lingala mbote pe boye bolamu na bino banso Top Congo FM lelo ekole RDC zali kokondola liwa ya kondo Patrice Emery Lumumba po ya baiso ete civil wango batalisi ete solo ekole RDC ezali kolanda soki mokete mzela e Patrice Emery Lumumba tikaki mingi penza ya bomoko bozangi bokeseni okati ya bikolo na pe kobundela po ya bolamu ya ekolo Congo demokratiki one ezali maloba ya Jonas Chombela Mokambia souhaité civil et sika ekole RDC po ya talisiete Mokabwani ya ekole RDC topi balkanisation Eye kondo Patrice Emery Lumumba Sika ki ko talisa yangwe komi ko koma na kati ekole RDC moke moke Na yangwe sengeli ko telema ko bunda pe ko telemela Li kambuli tali mingi pinza Mokabwani Eye komi ki o ingela o kati ekolo Congo demokratiki Top Congo FM Bobo mbabato mingi pinza na kasindi o kati ya Beni Na etuka ya Norkivu po ya sika motango ya bawe E kati si na motango ya zomi na mine mokolo moyenga moleki ezalaki bato bazalaki okati ya yamba ndeboko banguna tope ba terroriste bakendeki kotia bombe pe bomaki bato bazalaki okati ya biyamba po ya bayi nouvelle élan ya Adolphe Muzito po ya maître Blanchard Mongomba secrétaire général Elingombalie atalisi ete mikano misomie bakambi ekole RDC bazupo ya kozongisa bokengi eboti mbuma tai na yango mikano misengeli kobongolama bokolanda oyo basango biso ndi wana sango na bokuse Top Congo FM, le journal vous est présenté par Myriam Boketchou. Bote na bino banson, lelo mokolo moye ekolo Congo demokratike ezali kokondola liwa ya kondo Patrice Emery Lumumba okati ekolo RDC yene motasenga ki bonsomi ya kati ya ekolo Congo demokratike ezali kokambe mana maboko ya banoko tope ba ekolo Belgique bongo po ya baisoite civil en batali siete kondo Patrice Emery Lumumba ezali kokubunda po ya bomoko kozanga bokeseni boka ambia malamu pe ko telemela likambolitali bokabwani pe ya bikolo mingi penza na lopoto balkanisation po ya baisoite civil bango babanzi ete komi kokota moke moke okati ekolo RDC wana ezali mbela ya Jonas Chombela mokambi soite civil ya sika ekolo RDC po ya yatalisi ete soki mikano ya makasi mizwami te ekolo RDC kokabwana na biteni na yango esengeli kotia bomoko pe kopesa makanisi masengeli po ya kokisukisa likambolito oyo kaye na banzi soki kondo Patrice Emery Lumumba lelo akukaye kosekwa alinga zala na mawa mingi mazala na mawa mingi bomoko bulinga mboka bulinga bayi Congo ezangi kati na bayi politika mboka na biso tala ndenge bato bazali kokufa tala ndenge mboka ezali kokabwana tala ndenge bato bazali kobunda tala demokrasia yango ndenge ezali kotambola mopanzi yango soki kondo Lumumba lamuki akozala mawa mingi boko kati na biso baza komibenga na kombo Lumumba na kanisi fa bazala na mwasoni muke po musala ndenge za kolike mboka ezala eza ndenge tozale lote nde ezali
journée moko sengela ki ba ibaza ko se réclamer ba lumumbisi ba ko réfléchir malamu poete basale méditation est-ce que to salele le lenge moto ya zaki na pensée politique po na mboka to jali na mawa mingi balkanisation abanda koloba yango eza ko landela biso aloba ki la balkanisation se passe demain c'est aujourd'hui to jali ko mona passe na kamisi ezali mawa mingi bolingozalité nini sengeli ko sale mapo ya ko ko balanzela ya Patrice Emery Lumumba il faudra to zonge la lenge bango bakenda ki ba université makasi te tango bakenda ki na Belgique ya tikala ki na prison bay bakenda ki balobi toko ko sala makamombo ka te soki moko na biso azala te tozo senga ete bay politique nyonso ezali ya opposition ezali ya majorité ezali baso iso bay société civile to banganga nzambe biso banso toko ka ko tere ba diferana biso total la bomoko ya mboka pe kimia baninga na biso bazali kati na pasi na mboka na biso buti ko landa wana Jonas Chumbela azali bon mukambi ya société civile ya sika to pe nouvelle société civile ya ekolo Congo démocratique bongo si makamata mingi peza ekolo RDC bosenye ko ibaite makambo bazali ko likano kati ya monyela ekolo RDC yango itali si solo ite mikano miso mie bakambi ekolo RDC basi bon kozwa po ya kozongisa bokengo kati ya ituka ya Nord Kivu pe okati ituka Ituri yango ezali ko botambo masolo soki mokete pe itali cité izalina bokasité wali zali maloba ya nouvel élan ya Adolphe Muzito po ya secrétaire général ya Lingomba li Blanchard Mongomba ya talisité esengeli na lombango penza ko longola okati ya école RDC mapinga ya bikolo papaya ko longola état de siège yango izali ko botambo maté pe ko sala été bokengi boko ko kolisa mama kasi mingi penza okati etuka ya Nord Kivu po okati etuka ya Ituri pambaté elikisika wa mikolo ebele bozangi bokengi bozali se kongala bango maloba makambo mayo sima liwa ya batu kulika zomi na mine na likama tope ya tanta esale maki na kasindi mukolo mwayenga buleki na kati ya teritori ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Maître Blanchard Mongomba. Nengi daba ona remercie babaz na biso ba e bele kotika. Nouvel élan ezaliko condamné avec la dernière énergie attentat oyo eutiko salema na kasindi na parti est ya ekolo na biso. O ezali lelo yoko lakisa solo ete ba mesure sécuritaire o nyon sotou régime ya Kinshasa ezali ko mettre en place pour na koluka ko silisa insécurité na mboka na biso ezali ko simbate. La preuve c'est que pendant que ba tanta wana ezali ko salema, il faut ko note ete mboka na biso na partie est ezali sous état de siège. Mais en plus de ça, tozali na ba force o ya EAC baya ki soit disant pour na ko tchèk kimia na kati na mondelo ekolo na biso. Mais malheureusement, attentat, tuerie, M23, bazali koko ba toujours occupé position na bango ndenge bazala ki na yango utakala. Nyonso wana ezali ndakisa solo ete inefficacité tope gouvernement ya Kinshasa et démontré incapacité na yango ya ko apporter ba solution o esengeli pona kotia kimia na mboka na biso. Yango moni biso na nouvel élan, tozali koko ba ko réitérer o ezali ba mesure sécuritaire o toloba notamment ko sala ete armé na biso azwa misolope mampinga baza la makasi to sombela bango manduki ekoki to tia bango na ba condition po ete bango moko basala mosala to bengana ba force ya EAC babi mana ekolo na biso pe to longwa na makambo o etali EAC pa bateza ko sunga ekolo na biso te na occasion to profiter pona ko soutenir ba mouvement citoyen o bazali ko tambola na este mokolo ya lobby pona ko exiger départ ya ba force ya EAC. Merci. Botikola ndawana, Maître Blanchard et Mongomba, Azali Bongo, secrétaire général, il y a Nouvel Élan, Lingua Politique, il y a Adolphe Muzito, Bongo, c'est ma commentaire, Bozangi Bokengi, Bozangi Kweba et Telekisi Kamibu, Ebele, Matungisi, il y a Baye État islamique, il y a Ouzali, Kongalamakas, Mingi Pinza, Okati, Tuka, Nord Kivu, Wanizali Maloba, il y a Yoko ONG, Kobunda, Pomango Kimamoto, Sepado, Poya Bangba Talisi, Baye État islamique, Bangonde, Banzimi, Tupi Barefon, ndike lulingi kani baboma ki bato kati ya yamba yekozwa makamingi penza na ndelo ya kasindi tozomi na kati ya teritoire ya Beni ya kati tuka Nord Kivu po ya Maître Omar Kavuta mokamolandi ya Sepado ezali yoko lingomba ikobundaka po mokokima moto kati tuka Nord Kivu po ya bango bazali kosenga na bakambi ekolo RDC kozwa mokumba ya kotia bokengi makasi penza pamba te ba eta islamiki bango basili koyingila okati tuka Nord Kivu pe makamateli bobomi bato na mbala kaka yango ikokoba makasi soki mikano ya makasi mizwa mite ongambo ya bakambi ya ekolo RDC.
La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Oh yeah. Top Congo et Zouami na Mbandaka, na Etuka ya Équateur. Oh yeah. Na radio et radio 100.0 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Kinshasa bango babengami kokina ya lombango penza kozwa carte ya bango na centre enrollment pe bako kamingi penza kozela mokolo mwasuka te wanezali mbele ya Yves Kitumba zali moko kati ya bakambi ya MLC osima ye kozwa carte ya ye e selemaki na epe mulende tozami na carte kindele na commune ya Mongafula ya Simba Kilibakupo ya kosakola polele ete akozala moko kati ya bawele libibonga o luka maponomi ya 2023 to kaye o kati ya ilubili ya Rachel Nsiwe. Nengi d'abord on a remercié Babaz Nabiso Baye Bele Koti Kabiso. On a remercié pe maman vice premier ministre maman Mokondi. Nengi malgré ba charge na ye endemi koya ko Tikabiso na exercice politique. On a annoncé officiellement que na ali candidat député national na circonscription ya Lukunga po na compte ya mouvement de libération du Congo. Nengi Mokondi Nabiso ya parti Jean-Pierre Bemba Lobaki na sengi également na base na population Mobimba ba s'enrôler massivement pour ba s'approprier processus électoral po na ko pona librement bato ba rokamba bango na bato ba bandolobela bango na niveau ba assemblée délibérante botika koyoka biyoka yoka o carte bimi photocopie o ndundu abimi mwindu mwindu abimi ndundu bolandate le plus important ezali numéro oyo ezali na carte wana numéro ezala clair numéro wana nde elakisi ke o koti ozali enregistré na kati ya buku ya lopango ya Congo mukolo ya élection sauf soki nzamba bengi yo to voyager oke kote msusu me na kati ya kindele na lukunga na Mongafula tang ba fungoli bureau de vote soki yo na no vote te ba kokanga bureau de vote te carte de lecteur na yo wana nde un jour okoya koyebisa Yves Kitumba tata keba na yo ngai mutu na sala ke yo ozala ndenge ozali wana. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Kisiya sako lokota la lingala poya mbazanga mokolo malelo na songa makina Chris bivulo zela ya masini bino bayonzima ko landa biso na bokebi totoni bino panso botonzi. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Pour la paix, l'unité et le soleil. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iragi. Yoka Lokidoyo. Torbe Taneli Solo à 19 ans. Ya Top Congo. 88.4. La fréquence utile. Oh, Kotika la kaka na ignorance. Maka mo mazali komo nane. Po bate mbele kayo. Aipe na zalaka lokola yo toka na zalaka ne mopaye lelo mayele mangai mafumami
sakweno moka koso kende liboso nzela ezali na ino molayi ye disneva e mula somi na libwa ekoki top congo ya solo ozali la fréquence utile top congo e radio ya ma génération nyonso bondimela ngai akanga masolo mokili mobimba kaka top congo e disneva e tosepela e disneva e tobina e oyo suka ya masolo mpe likanisi ya mwana mboka erika mbago dominike dinanga marcel kitambala cheri kambundi na roger kalala boyebisa bango boyebisa bango e batika batika nde batembe mpo biso totomboli deja bendele bendele ya lokumbwe 19 ya toko teofile lusakweno mama elizabeth lusakweno paul lusakweno osepela bakotikala kaka bongo biso tozali se kokende tina 2009 tala bango bafandi pembeni ya moto bazali koyetola e na mopanzi to kongo ezali kobeta e sylvie meya miriam eraki na cecile ngomba e nzela ezali naino molayi ye remi mulingati disneva e mbula zomi na libwa ekoki john konde na jacques ntinga bokaba lisolo e top congo e radio ya ma génération nyonso bondimela ngai grâce lema oyoka e top congo eningisi mokili disneva e tosepela rose manzanza yoka ngai oyo suka ya masolo mpe likanisi ya mwana mboka cyril milandu bero matanda merveille mokelo top congo e radio ya ngai yayo yaye ya biso baso didi binseka tukokende na bango likolo mpo biso totomboli deja bendele bendele ya lokumbwe 19 ya tokongo toyebisaki chef de l'etat atina motu na nzambe asombaka mwa radio ya moke asombaki deja na ndako ya bapoliticien tokotaka na nzela na mituka bisika nyonso top congo toujours na temps 19 ya tokongo ye mama ye bango nyonso bakomesana ye mama ye 88.4 frequence oyo ekanga masolo oza la première chaîne ya information na kati ya ngo 88.4 la fréquence utile 19 ya tokongo ye mama ye bango nyonso bakomesana ye mama ye 88.4 frequence oyo ekanga masolo atako tu mwana ya moke akoki kobosana ngo te basango nyonso elekaka na mboka tolandaka epai na yo bana kongo bafuli ya lupemba mokende mosika e kristian lusakweno mwana ya docteur lusakwenopascal kapaladieu merci lusakumunu DJ Cornest oza la première chaîne ya information na kati ya ngo yebanaki kaka na Kinshasa mpe na ndinganzinga na yango ekomi na baprovince ebele awa na RDC na mokili mobimba bakomi kolanda top congo kasi esili te innovatio se mokolo na mokolo e tina youtube bilili bizali komonana e danisa yobi miguel mena chasi makwala jose ipashi walter gu ale pascal mbungu joel sima rachel nsiwe na miriam ebokechu trésor kiyombo bana ya top congo e jonathan masiala genovik mboa christ bivula jinorema begi wa benu papa antoine maki papa josé wasambers maître willi wenga oyoki yango somo mambu masobele oyoki yango Nyatakans
mabina oké oké yo songi boloki meme esilina lute top Congo tina 2009 tokozala kaka yatakas yatakas ema mema 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 yatakas ema ma. La fréquence utile. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Congo Central na Luo. Pour l'angai Brest, et je vous appelle depuis le Brésil. Les gens, mais c'est van. Ma décision, oui, la police est à Olaj Bazui. Et ça, ma décision, mon roi, il y a bien. Il faut battre en action, puis il faut pas ça suivre. Au cours de la pharmacie, go égalité, plafond égalité, et puis chaleur, mieux sur moi, naïe, mon pharmacie, y'a tout. Parlons-en du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30, avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Deuxième partie de Parlons-en, parlons histoire. Lelo Tozali le 17 janvier 2022. Tozali Kolobela, suite ya bitumba ya AFDL. Tolobi, gestion ya guerre ya AFDL par le gouvernement Mobutu et initiative de négociation de paix. Tolobela kiango na poso eleki, tozo koba justement Kolobela yango. N'a invité Nabisso, le même chercheur en histoire, Monsieur Thomas Luaka Losenjola. Ndeko Thomas Luaka, l'Afrique du Sud au cœur des négociations entre Kinshasa et la rébellion, on va dire. Tout à fait. Comme ça. Alors, exactement. Oebisibiso avant Tosukisa dans la première partie, que Mobutu Azoko a utilisé, Alinko a utilisé, c'est quoi l'Afrique du Sud? Exactement. Pour Afrique du Sud, bas Sungaye, bas organiser rencontre dans Laurent Désiré Kabila. Pour Nayango, atteindre misère Naye, Ngwanda. Malheureusement, dans tout le monde qui a fuité Salami RFI annoncé Ngo, Tabombe qui a présenté des excuses. Afrique du Sud, présidence et Afrique du Sud, et quoi que ça l'a démenti, bas ça les communiqué, et puis Ngwanda yé mokopé, a ça les démenti, il y a information Anna. Voilà. En Afrique du Sud. Afrique du Sud. Voilà pourquoi rencontre il y a Honoré Mbanda na Laurent Désiré Kabila et Salama Kilisusute le 19 février 1997 en Afrique du Sud parce que fuite et Salama Kilis. Est-ce que Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila Zaki déjà wana. A Koma Kiwana. Ok. Ayaki, mais le Kola Sangui Bimagi déjà la presse. Mais si Kotangu et Lokwana échoué, rencontre a échoué, Tabombeki a informé Honoré Ngwanda lobi na ebisa kyo ke na koyamba vice-président des États-Unis Al Gore. C'est vrai Al Gore pe ayaki awa mais Al Gore akei atiki délégation na emunene awa na Afrique du Sud ba membre de délégation na ba souhaité kokutana na yo. Est-ce que okoyi kokutana bango? Ngwanda azu abengi maréchal lobi voilà proposition ya président Tabombeki a lobi ke ba américain bazali abalingi nakuta na bango marcha bi problème ezate kende koyoka bango Honoré Ngwanda ake kuta na ba américain délégation ya 3 personnes une grande délégation ezali composé na nani na George Moose ezali sous-secrétaire d'état américain chargé des aux affaires africaines dont on était vice-ministre américain makambo Italie Afrique une affaire étrangère mais makambo Italie Afrique. Deuxième membre de la délégation, Ezali Suzanne Rice. Suzanne Rice, Ezali, na mois octobre, il y a 97 ans, akoya okoma ye mokope sous-secrétaire d'État, Makambu, Italie-Afrique. Et puis, akoya okoma après, ambassadeur, il y a
États-Unis, les Nations Unies, tant qu'il y avait le mandat à Bill Clinton, et puis tant qu'il y a Obama, à quoi il y a eu mon puisque à Kokoma ambassadeur il y a États-Unis dans les Nations Unies, donc c'est une dame une noire américaine très très influente. Suzanne Rassazana Kata délégation ambassadeur Wolpi. On se rappelle d'elle notamment dans la guerre et Irak, hein. Exactement. Voilà. Yewana Suzanne Rice en Afrique du Sud, ambassadeur Wolpi à les Nations Unies pour nous prouver que exactement. Donc, ambassadeur Wolpi Azali, envoyé spécial, il y a États-Unis dans la région des Grands Lacs. Voilà les trois personnalités, Oyobaza en Afrique du Sud, Mbanda Akeokutana Bango, en présence de Thabo Mbeki, va expliquer que voilà, Bisotoye Awa, Poto Solola Nayo. Mais Mbanda a information déjà, Zalaki Nango, Ayebi Kitang Al Gore Azali en Afrique du Sud, Museveni, président Ouganda Azali en Afrique du Sud, Paul Kagame, vice-président Rwanda Zaki en Afrique du Sud, Laurent Désiré Kabila Zaki en Afrique du Sud, et Mbanda Azana Benformation comme quoi Al Gore Ayambaki Bango. Pour na Mbanda, voilà, c'est le grand complot. Donc, Bamérique Bazo Bombana les sous-souté, Babimi na poisson. Donc, si Koyo Tangbake Okutana, Basololi, Al Gore, Abimisi et Mouze, Georges Mouze, Abimisi projet, il y a agreement, donc il y a projet et accord. A Pessi, Honoré Mbanda, Alobi, document où il y a besoin que Maréchal a signé. Document où il y a un projet, déclaration à cesser le feu, engagement, il y a Maréchal qui a discuté directement avec les rebelles, et puis Maréchal a envisagé, il y a déjà un pouvoir. La discussion est où le 28 février 1997, les Américains ont décidé de faire comment on a Honoré Mbanda na kati ya chambre na ye. Donc, ça, c'est une réunion officielle. Te, ba ye, bango misa tu kokutana, Honoré Mbanda na chambre, ba lobi, to lingi to sola na yo. To moni ozo de bonne foi, ozo salaba va et vient, mesabi so lobi, obengi maréchal, et tout et tout. Voici message nga na pesi oye bisa maréchal. So ki document oyo, a signé en gote, wana toza le 28 ans, so ki a signé en gote, ye bisa ye ke dans deux semaines, ki sangani kokweya, après Kisangani, Lubumbashi kokweya, Guadolite kokweya. Et tant que Guadolite kokweya, ville naye donc Guadolite kozala pillé, tombe ya mwasi naye, mama sese, nabana naye, et kozala profané. Donc yebisa Honoré Mbanda na état de santé au maréchal Azanango. Est-ce qu'il a ko supporter choc wana? Donc Mbanda a comprendre ce que menace commis direct. Chantage ya polele kabo. Ya polele ultimatum. Mbanda lobi monsieur donc le ministre hein, est-ce que vous pouvez autoriser nga na benga ndeko nanga moko na yaki na ye azana kata délégation mais message za tellement kilo est-ce que vous pouvez répéter ango na présence na ye Mbanda abengi nani Chimbombo Mukuna. Chimbombo Mukuna à l'époque azali chef ya ANR hein ya ANR awa Chimbombo aye kokota na kata chambre habita la Chimbombo ba américain ba pesinga message moko na lingi ba yomo ko po yokango ha ezala teke na yoka ki biente na répéter biente Georges Mouze Mouze a répété même un message wana de Chimbombo Mukuna alors biboke ne koyisa maréchal soki a signé document oté dans deux semaines ki sangani ezako kwea et puis effectivement tokoya ko mona pe dans deux semaines wana ki sangani pe ekwea ki donc le 15 mars, qui s'en mais la réaction du maréchal, les Alakini. Maréchal Alobi, donc, Américain Baza Kobombanate, je le savais depuis le début, que Bango Moutouaza Simaba, Ougandé, Barouandé, na Afdel. Mais si Koyo, Georges Mouze, Mouze, Abimi, Pendaye, Moko, Polele, problème exacte, mais Maréchal a signé qui document en côté. Le 23 mars, on a le 28 février, le 23 mars 1997, vice-président Thabo Mbeki a été à Kinshasa. Ayena Kinshasa kukuta nana maréchal, alobi, voilà, basolina maréchal, tango, Thabo Mbeki aselisi kosolola na maréchal, Thabo Mbeki abimi, asali déclaration na presse, après entretien na maréchal. Thabo Mbeki a annoncé, piloko mibale. Eloko ya liboso, alobi, voilà, biso ba autorité sud-africaine, toko organiser rencontre moko entre président Mobutu na Laurent Désiré Kabila. Deuxièmement, rencontre Eko Salama en Afrique du Sud. Donc, si Koyo,
annoncé que les alliés sont les bombardés et comme officiel que Maréchal a Okutana na Laurent Désiré Kabila. Mais tout en annonçant une situation politique na Kinshasa pendant la période. Toyebi que Kengo Adondo aza premier ministre depuis 1994. Depuis 1994, Kengo Adondo aza premier ministre. Le 18 mars 1997, Kengo Adondo a causé la déclaration que Kisangani ne tombera pas, hein, Kisangani ne tombera jamais. Wana le 18 mars. Le 13 mars, Kengo Lobi Kisangani okoyate. Le 14 mars, Lobi Nango, ba militaire ya Mobutu to ba phase, ba piller Kisangani. Ba piller Kisangani. Et puis, le 15 mars, Kisangani ekoyi na maboko ya ba rebelle, donc Afdel Bazuki Sangani. Deux jours après la déclaration à Kengo. Exactement. Ba député va se révolter. Ba bi me Kengo assura ki biso wa ke. Kisangani okoyate. Ba député ya HRPT au Conseil de la République parlementaire de transition. Ba tu a mouvement si ya présidentiel na ba tu a isoral ba sali motion de défiance contre premier ministre Léon Kengo Adondo. Donc ba kwesi Kengo Adondo le 18 mars 1997. Le 24 mars 97, président Mobutu a yambi en audience bureau ya HRPT, donc ya parlement. Bureau ya parlement ezali co-président na batumi bale tomona ki yango tangu bakwesi Laurent Mosengo comme président ya HRP ya parlement en transition. Parlement est comme ki co-président na batumi bale. Vice-président Moko Yamuta Mouvance, vice-président Moko ya opposition. Donc, le bureau ana ya yaba co-président et Réo Mona Mobutu, pour na compte ya opposition, Tozalina André Boboli Kolokonga, pour na compte ya Mouvance, Tozalina Anzulu Nibembe, naba délégué Moussous. Tango Sikoba Keokuta na Maréchal, Bakuta na Maréchal, nani le président. Boboliko a sali rapport à l'objet voilà d'engagé ma camboleka qui n'a plénière, bah député bah adopté motion de défiance contre Kengo Adondo. Boboliko a joué PV, y a plénière wana à remettre na maréchal. À l'objet yango bisoto ye awa Kengo Adondo à l'objet ye a longuete parce que procédure est zaki irrégulière. Kengo Adondo a senga ki Mobutu arbitré, yango wana pe Boboliko pe na occasion le 24 wana a ko senga maréchal à arbitrer. Maréchal Tangazu PVwana a lobby, je prends acte de la destitution du premier ministre Kengo Adondo. Donc Kengo Adondo azali le sous premier ministre T. Makambu ya ko arbitrer ou ezalité, moi je prends acte, il y a décision au parlement. Tang Maréchal a lobby de ngona maître Kinkela azala ki membre ya bureau, azu a telemina esengo a beti maboko gouvernement Kengo Adondo et koyi. Le même jour le 24 wana mars, le président Mobutu ayambi Kengo Adondo pona ko informer que na uti ko yamba bureau ya Assemblée nationale ya parlement ba remettre nga motion de défiance ba destituer ki yo donc pona ngai ozali lisusu premier ministre été Kengo Adondo alobi non procédure wana zaki irrégulière tangu Kengo Adondo abimi wana a bengi si presse alobi voilà Nazali destitué te ngai moko sikoyo na présenté démission na ngai na gouvernement na ngai. Voilà comment gouvernement Kengo Adondo ekosuka le 24 mars 1997. Sikoyo tomona somme moko ekoleka na Lomé le 26 mars. Mais si quand tant Mobutu azo Lomé na Togo, na Togo. Tant Mobutu azo ki acte le 24 wana. Tant azo ki acte ya PV, ya destitution Kengo Adondo, Mobutu a expliqué ba député que j'ai un problème. Alors bi voilà. Kengo Adondo akoyi donc bazale le 24 mars. Kengo Adondo azo ki premier ministre été. Sommet moko eza prévu na Lomé le 26 mars. Kengo Adondo premier ministre muti fallait représenter ngai. Mais Kengo Zali sous premier ministre était na ébité na kosala ndenge nini. Tango a discuté na bureau ba eko se mettre d'accord que Boboli Kolokunga co-président, vice-président, to co-président à HRPT a ko kende ko représenter Maréchal Mobutu na sommet ya Lomé. Mais avant sommet wana banda sommet to moni yango ezala le 26, le 13 mars
Mobutu akotinda honoré Ngbanda conseil spécial naye akende kokutana na président Eyadema. Pona Mobutu aza kosenga ye service moko. Service yango eza nini? Eza par rapport ya likambu ba rapport entre négociation na cesser le feu. Teze zala ki mibale. Côté ya Kinshasa, côté ya maréchal, basa koloba tokoki kobanda ba négociation te sans to proclamer na nous cesser le feu. Il faut te le baquer, cesser le feu bandi. Bon, si côté kobanda, ba négociation, on a toko discuter avec sérénité. Thèse ya Afdel, c'est le contraire. Ba lobby, non. Toko ki pe kobanda ba négociation, mais toujours continuer kobunda. So ki ba négociation e évolue malamu, à ce moment-là, toko ya ko proclamer, cesser le feu. Donc, cesser le feu kozala la conséquence ya ba négociation. Thèse ya Afdel. Thèse ya maréchal, cesser le feu, il faut e banda avant négociation. Yangwana maréchal a tinding banda, alobi kende ko e bisa e yadema. Est-ce que vous pouvez rendre un service? Na somme wana, a sa la nyonso, ba adopte position oyo. Que cesser le feu, na négociation, e banda moukolo moko, e la concomitant. Donc moukolo moko, tant que tu bani négociation, cesser le feu pe bandi. Donc wana message, service, maréchal Asengi et pas et Aidema. Donc to comme siko le 26 wana na et na Lomé sommet bandi ba délégué Kinshasa atindi Boboli Kolokonga chef à délégation tomoni na cadre nini a comme chef à délégation Gérard Kamanda wa Kamanda vice-premier ministre puis ministre affaires étrangères Edouard Mokolo Apombo conseiller personnel du maréchal Mobutu Honoré Ngbanda conseiller spécial ya maréchal Mobutu. Côté Gérard Kamanda Wakamanda, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il y a gouvernement Kengo. Il y a gouvernement Kengo. Okay. Il y a gouvernement Kengo. Oye Utiko Kweya. Et voilà, Oye Utiko Kweya, exactement. Vous en avez raison. Gérard Kamanda Akei, malgré que le gouvernement est Utiko Kweya, parce que le gouvernement Msounan est salamité. Du côté Afdel, le délégué Bayemi Bale, Gaetan Kakuji, na Bizima Kara. Côté la communauté internationale, Tomoni présence ya Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, Paul Biya, président ya Cameroun, président en exercice ya OIA, et ya Dema, président ya Togo, Yemutu Hot, Yemutu Ayambi Batu, Mohamed Sanoun, ye Azalaki, envoyé spécial conjoint ya Nations Unies na OIA dans la région des Grands Lacs. Résultat à sommet ya Lomé, Biloko Mibale. C'est la première rencontre entre les délégués de Kinshasa na Batua Afdel. Gaetan Kakuji Bizimakara, Bakute Naba, Boboliko, Naba Ngwanda, na Gérard Kamanda. Donc ça, Eloko Eliboso Yangwana, première rencontre. Deuxième résultat à Lomé, déclaration conjointe sur la nécessité à cesser le feu de la négociation Mukolomoko. Donc, thèse Yadema et l'équipe. Afdel Bandimi. Afdel Bandimi, qui est Moukoloka Katoza, Banaba discussion, vous voyez, cesser le FP et Bandi Moukoloano. Troisième résultat, il y a sommet à Lomé, début il y a ba négociation, n'a cessé le feu, et allé fixer le 4 avril 1997 en Afrique du Sud. Voilà le résultat, il y a sommet à Lomé. Si vous avez toqué ba négociation, il y a Afrique du Sud. Où ils allaient prévu le 4 avril. Ba négociation, ils allaient prévu donc du 4 avril au 10 avril. Délégation, il y a Kinshasa. Ils allaient diriger na Gérard Kamanda, VPM. Délégation Afdel, ils allaient diriger na Bizimakara. Ba réunion est bandi sous la présidence, il y a Thabo Mbeki, vice-président d'Afrique du Sud. Après ba discussion, après plusieurs jours de discussion, entre Afdel et Kinshasa, va adopter projet à déclaration conjointe après négociation. Si on a un document, il faut signer, se mettre d'accord sur le contenu. Bizi Makara, à quoi vous senga président Thabo Mbeki, à l'objet, est-ce que vous pouvez vous faire un peu de chef nanga Laurent Désiré Kabila, na tangelaye projet à document, a autorisé ce qui n'a pas signé. Thabo Mbeki a dit non, c'est tout à fait normal. Bizima Bimina Sal, Ake Kobenga, Koluka Kobenga, Laurent Kabila. Toute la journée, Bizima Lobino, Nazozoa yete. Thabo Mbeki est Mokopé Ameki, Azozoa Kabila te. Donc pendant deux jours, Laurent Désiré Kabila, injoignable. Bazozoa yé na téléphone. Allez, Tchombo.
Akangi téléphone. Oui. On le verra plus tard parce que. Bazarina logique, il y a cessé le fêté. Le 9 avril 1997, Nabutu Bizima a zui Laurent Désiré Kabila. Abi voilà, Mokondi, on a bané Koloukayo, tu as le projet document, où Atangeli Laurent Désiré Kabila na téléphone. Kabila lobi non, namouni eza document mou e bien, ou koye ko signé. Aye pe ko pe sa rapport, abi non, azu Mokondi nangai, a autorisé nga na signé. Pourquoi Laurent Désiré Kabila azala ki injoignable pendant deux jours na téléphone? Parce que justement, en violation y a déclaration à Lomé, où est le bas qui est tant que la discussion est bandi, c'est le feu est bandi. Afdel a ça qu'on continue bitumba, Afdel a ça un projet à cause de Lubumbashi. Donc, à partir de 7, on a Afdel a ça qu'on attaque Lubumbashi. Laurent Désiré Kabila, ce qui n'a tiki téléphone pour l'élé, Mandela a qu'on dérange, ta bombe qui a qu'on dérange, parce qu'on a osé violer, ma kambosola, ba américain peut ba kweko benga, Laurent Désiré Kabila a kangi ba téléphone na yinyoso pendant des jours. Donc, le 19 avril, le 9 avril, on a tango Lubumbashi kweyi ndesiko na butuana Laurent Kabila ayeko fumola téléphone naye et puis bazui ba signé déclaration conjointe wana tango ba signé déclaration conjointe sikoyo tabombe kalobi to examiner sikoyo ba modalité nini Mobutu akoyi kukutana na Laurent Kabila. Taliba discussion, ma discussion, ma bi, ok, premier acte, tu peux organiser. Si koyo tango ba signé déclaration conjointe, wana, makambu e bandi ko changer na camp ya maréchal. Makambu e bandi ko changer ndenge nini? Ba proche ya maréchal. Ba proche ya maréchal, ba bandi ko yebisa maréchal ke ba sud-africain yo baza clarté. Biso to moni ke ba sud-africain bazana katia complot bazana sima Afdel bangona ba Uganda na ba Rwanda na ba America Isaac likopa moko ya munene oyo bazo sala yo yango wana invitation bazo sala yo invitation ke na Afrique du Sud pona okuta na Laurent Désiré Kabila ezali piège bazo benga yo na Afrique du Sud po ba kanga yo et puis ba obligé yo au démissionner. Et là, quand ils basent là, yo, ils aient là que les Américains basent là qu'en 1989, na Panama. Les Américains basent là qu'en na Panama, Mokondi à Panama, comme on a dit, ils aient Manuel Noriega. Noriega, les Américains basent ça là opération militaire, bas côté na Panama donc na Mboka wana, bas que bas kangi Mokondi à Mboka, bas ene na États-Unis ko sambisaye. Bas lobby, ndenge makamuzo kende. Yo soko ke na Afrique du Sud, ba Américain ba ko enlevé ou ba kangi yo et puis ba obligé au démissionner. Donc maréchal a bandi koko ma méfiant. Le 15 avril, maréchal a bengi Honoré Ngbanda a lobi ke voilà makambo Afdel ba uti ko sala. Afdel ba kangi Jonas Mukamba na Mbujimayi ba memie na Goma ba bomie maréchal obi donc ba to bazana parole te ba respecta ka engagement mon côté donc ce n'est même pas la peine na en Afrique du Sud ko solala bango parce que talane ba uti ko boma Jonas Mukamba Honoré Ngbanda bime comment ça ba bomie Jonas Mukamba en réalité maréchal a zoki information à l'okuta biso nyonso ebite ke Jonas Mukamba tilelo azali en vie ba afdel batikala okangaite batikala ko boma ite d'ailleurs avant chite ya Mbujimayi d'après ba information tozanango Jonas Mukamba asalaka point de presse a annoncé ke muto ya kobala mama na ngai a okoma papa na ngai donc yango na Jonas Mukamba kimaka Mbujimayi ite ayambaka a l'époque azaka nani azalaka PAD ya Miba donc neti DG ya Miba. Donc voilà comment information à l'okuta wana ba proche à maréchal ba ko pesa maréchal pour na ko tindaye akende na Afrique du Sud te. Mais ba sud-africain ba yebisi maréchal ingwanda yebisa maréchal il faut to accélérer ba négociation parce que Laurent Désiré Kabila avec ba victoire na terrain aza de moins en moins intéressé na ba négociation. Donc bossa l'attention à un moment ko ti aruba ki sabilo kwango
Deuxième élément, ba angolais, ça c'est le sud-africain balobi, ba angolais baza ko entêté. Ba ko entêté Laurent Désiré Kabila a bouya ba négociation. Donc il faut vraiment yebisa maréchal a autorisé yo to accélérer makambo. Yangwana le 17 avril 97 Nelson Mandela a koya ko signé invitation officielle à Tindeli Mobutu. Le 18 avril 97 Mbanda ayena Kinshasa na invitation, a pesi invitation par maréchal, albi président Mandela Tindelio oyan Afrique du Sud kokuta na Laurent Désiré Kabila. Maréchal a eu invitation, a ebi si Mbanda problème ezate nandimi na koya okoyi ko informer presse. Mbanda pe abimi a bengisi ba journaliste albi voilà na outi ko remettre maréchal invitation ya Nelson Mandela pour na kokuta na Laurent Désiré Kabila na Afrique du Sud. Mandela a président Mobutu andimi a kokene na rencontre wana. Annonce wana ya Mbanda e ko suscite trois réactions. Réaction à liboso eza apaisement. Population congolaise to zairoise à l'époque bazali soulagé. Maréchal loko andimi kokuta na Kabila do Bitumba eza ko sila. Donc e soulagé population. Deuxième réaction ya encouragement. Communauté internationale va encourager maréchal na ndenga ndimi ba américain ba français ba sud-africain bango nyonso ba lobi Mobutu ozui décision moko ya malamu yango wana sikoyo na société civile ya Congo pe en particulier ba confession religieuse ba okeno kutana maréchal le 19 avril pour na ko remettre ye memo ya encouragement. Banani baza na kata délégation à confession religieuse, baza la ki 5, cardinal Etchaou, aza ko représente église catholique, monseigneur Bokele Ale, aza li chef ya église protestante, to église du Christ au Zaïre à l'époque, to zali na révérend Lutandila aza li secrétaire général ya église kimbanguiste, to zana Elhadj Moudilo wa Malemba, ye azali ko représente ba musulman, et enfin, révérend Père Katalay pour na église orthodoxe. Troisième réaction, Tolobaki, réaction à Liboso, apaisement à la population. Deuxième réaction, il y a encouragement. Troisième réaction, il y a hostilité. Hostilité pour Nanini, ba proche ya maréchal Mobutu, ba zo considéré kaka invitation on a comme un piège à ba sud-africain, na ba américain, pour na kokanga maréchal. Oui, mais au fait, place on a la ligne à comprendre. Tant que la rencontre à Liboso a annoncé, Pekisi Mobutu a été pour Balobi, Okene Okangayo et tout ça. Oui. Na ligne à tout n'ango. Mais le colo Bandeli, point de vue à ma proche à maréchal, au moins il était que Bango Babane Goutinda et Liboulou. Parce que maréchal Azali, président à Mboka. Oui. Mutakoka iko banga piège ke bakanga e tonini eza rebelle Laurent Désiré Kabila. Comment eux les proches d'un président en exercice oui. peuvent le déconseiller un rendez-vous sous prétexte que ba ke kanga e? Non, problème ezali, ça c'est Mbanda qui l'a dit. Lorsque komi kokoti sa batu ya famille na masolo ya l'état oyo bazo maîtriser ba tena ya aboutissante oko s'embrouiller. Mbanda donne un exemple. Albi, voilà, par exemple, na tomati na voiture na Rabat, pour nous que nous coûtons na roi Hassan II, na zana katia mutuka na maréchal, na tel akaka beau frère na ye, abati mbalamoko na katia mutuka, Fambi, honorable Fambi, amati na katia mutuka, et puis, à Zotou Nangaï, devant maréchal, oui, est-ce que Réunion-Ango est causé à combien de temps? Oh. Albi, comment on peut gérer na protocole ya roi Hassan II? Pour maréchal, il faut azonga akende kopema. Abiyo kanisi maréchal auti nisi pona kwa kopema na Maroka. Do baswani mwamuke, maréchal a kalme bango. Donc pour Mbanda, famille et koti bazo comprendre ba njete, ba ye lisusu kwa mbrouye maréchal. Yango wana, pona ko répondre na question na yo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le 21 avril 1997, Nzanga Mobutu, mwana maréchal, aleki na télévision alobi yazali porte-parole ya famille ya président Mobutu na kombo ya famille a annoncé batuke réunion ya na Afrique du Sud maréchal akokende te
aboyi akokende famille bango baboyi ba okende te oh. Ça sentait vraiment la fin du règne là. Balobi soki Laurent Désiré Kabila alinga kutana maréchal maréchal azali disposé ya kokene na Brazzaville to na Gabon Afrique du Sud ya kotia makolo kuna te wana famille au nom de la Nzanga, famille Nzanga, les affaires de l'état donc moi na maréchal ayé lo bal au nom de la famille et au nom de la famille donc Nzanga aleki na télévision alobi batu batuni maréchal abi toki ngwa Nzanga aleki alobi maréchal alobi non Afrique du Sud na okende te pona munganga nanga pekisinga ba voyage milai yangwa nanga naza disposé donc maréchal a eu argument ya santé yangona naza disposé a okende kaka na Brazza to na Gabon Afrique ba comprendre que famille et convaincre maréchal ki akende te akende Afrique du Sud te si koyo alobi comme Afrique voyage en Afrique du Sud c'est quand même 3 heures et le kimulai en réaction na déclaration Nzanga Mobutu Laurent Désiré Kabila a déclaré alobi ngai na kotia makolo na Congo Brazzaville ni na Gabon ni na Gabon ngai c'est l'Afrique du Sud ou rien maréchal tokutane na Afrique du Sud ou bien tokutana esika mokote oh. Donc situation Laurent Désiré Kabila pe poani a ju position ana yakobo yakoya na Congo Brazzaville na Gabon Laurent Désiré Kabila a yebi pona ye ba français ba za contrer pour RFI, médias français, TV5, il y a une déclaration contre Afdel. Donc, il y a un français, il y a un maréchal. Laurent Désiré Kabila, il y a un français, il y a un soldat, il y a un Congo Brazza, il y a un Gabon. Alors, il y a un soldat, il y a un soldat, il y a un soldat, il y a un soldat. Donc, il y a un colonel, il y a un français, un militaire français, il y a un soldat. Donc, tout comme ici qu'on a un passe, maréchal a boyoké en Afrique du Sud, Laurent Désiré Kabila a boyoké en Gabon, c'est une impasse. Ti vice-président Afrique du Sud, Tabombeki, a quoi qu'on soit une idée géniale. Alors, puisque maréchal a boyoké en Afrique du Sud, il y a l'ingi Congo Brazzaville. Ok, tous en a choisi, n'a pas de même Afrique du Sud, n'a pas de même à Congo Brazzaville. Voilà. Boyebi ke bato oyo soke za na drapeau ya mboka, bato wana ezali parti ya territoire ya mboka wana. Donc, utenika comme eza bato ya Afrique du Sud, eza territoire mutu soka za na utenika za na territoire Afrique du Sud. Boyeba ka ke mwana oyo azanga ba parents, abotami na bato ezala na Asie, ezala wapi? Bato oyo eza na drapeau ya RDC. Mwana ya botami na kati ya bato wana mwana za Congolais. Abotami na territoire Congolais. Abotami na territoire Congolais. Donc boyeba ka yango. Donc voilà comment Tabombeki a proposé à lui voilà maréchal, ngana koya na Afrique du Sud na pointe noire, comme ça yo kozana voyage à Moulaïté. Et puis Laurent Désiré Kabila tant qu'aza na kati ya Oteni, kaza ka na Afrique du Sud. Donc voilà solution wana ya Nelson et ya Tabombeki Laurent Désiré Kabila ayeko ndima yango. Maréchal P. Aïkondima, décision Wana Yakokutana na Utenika. Sikoyo entre temps na terrain Makambu Ezali ko évoluer. To salakaka moi rapidement, moi récapitulatif y a évolution. Des grandes dates, hein, tous okaba date minene, to mona ki ango, le 20 janvier. Non, le 26 janvier, aéroport à Kalemie, quoi, le 29 janvier, Kolwezi, et Koweït, et qu'on démentir. Tout le monde qui a une émission passée comme quoi, Koweït a bandé qu'on finance, ma mercenaire. Koweït, et qu'on ça la déclaration comme quoi, Bango, Bazali, qu'on finance, bitumba, mon côté, na Congo. Le 29 janvier, Ouganda démentir présence, naïe, Yaba Sudan et na Congo, alors que maintenant, c'est parce qu'on a Ouganda, Bazali. Le 30 janvier, et un peu comme le Rwanda aujourd'hui. Exactement. Tout le monde voit, mais Bango Bazo Wanga. Exactement. Tant que Wanape, Tomonango, Rwanda Pe, Ekoya, Ko Wangana, présence na Bango, na Congo. Et puis, Watape, Kwei, Kaleme, Kwei, les 3 février, les 5 février, ultimatum, il y a Laurent Désiré Kabila pour la négociation. Les 14 février, ici, on a Bafasende Kwei, 17 février.
bombardement à Bukavu, Chabunda na Walikale na ba mercenaires serbes, des 18 février, plan, Conseil de sécurité a adopté plan de paix dans 5 points, le 21 février, Kalima et Kwei, le 25 février, bon, Toleki rencontre à Laurent Désiré Kabila, na Georges Mouze, Oyo, vice-ministre américain, sous-secrétaire d'État américain, le 27 février, Maniema Kwei. Mais Maniema Kwei, le 27 février, mais le 24 février, gouverneur et Maniema Kimaki déjà. Tant que Monique Citation, Eza Biente, Apakatimbango, Kombonaye, Omar Léa Sisi. Et puis le 27 février, Maniema Pé, Eko Kokoya. Omar Léa Sisi, Yaya ya Constant Omar était grand frère, voilà, ah. Grand frère ya Constant Omar. Omar. Ati Kabiso, ouais. Mon Kolo Pese, Kimé Aseko. Mais Apakata Rambang, on a manié. Donc le 3 mars, ultimatum Sikoyo, il y a Laurent Désiré Kabila, Naba, officier, il y a phase, va déposer ba arme, va rejoindre et. Afdel, voilà. Merci beaucoup. Alors, Toko Sukawana. Non, Toko, continuez peut-être après pause. Oui, justement. Voilà, tout ça la pause, moquée, mais tous ont quelques réactions, quelques questions. Parce que Tosuki Penza na Otenika. Les solos Otenika, les Osalama, Lubumbashi, c'est quoi. Donc. Non, en fait, Toko Eko Sukana, le fait que Sikoyo Tangu. Avant Otenika et Salama, avant donc, Otenika, accord de principe. Tout le monde est kengwa dondo akoyi le 24. Ouais. Le 24, le 4 avril, na mars, hein, le 4 avril, Parlement, et qu'on a décidé de nommer Premier ministre Sika. Parlement, qu'on a proposé comme Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a commis Premier ministre, Mobutu a nommé Premier ministre. Etienne Tshisekedi, tant qu'on a commis Premier ministre, a sali, lobby n'a pas sali, nommé les deux, les trois, a sali point de presse. Na point de presse, na ye Etienne Tshisekedi, a quoi a annoncé. Biloko. Yali Bosso. Constitution en transition au bazo sale la wana. A aboli rango. A l'oubien sale souste. Ya zongi na constitution en transition à conférence nationale. Deuxième décision. Parlement ou yotiko ponaye. Comme premier ministre. Abomiango. Parlement a serpété. Au Conseil de la République, Parlement de transition, et sale souste. Ya zongi na parlement nae ya conférence nationale. Troisièmement. Gouvernement naïe, oyo ya conférence nationale, ne a remanié ango, aéko zongi sango, et puis eloko mususu, aéko annoncé, a lobby voilà, bitumba Laurent Désiré Kabila zako sala, Laurent Désiré Kabila zako a appliqué constitution ya mboka, article 37 si je ne m'abuse, ou eloba kike, Congolais nyo se fwa telema mokonjo yo, ako jere na ki dictateur. Neti, un peu comme l'article 64. Exactement, l'article 64. Kote le melamuto nyo sa zi, alinga za bitumba, pouvoir makasi. To aza ko jere en violation constitution. Ouais. Api, Laurent Désiré Kabila a appliqué article wana. Donc vraiment, oza citoyen moko bien, bitumba nyo eza justifié, mais si ko eloko la, tozong ma kamnyo se zongi na normal nga na komi premier ministre ndenge conférence nationale décidaki na sengi na yo tika bitumba ya okota na gouvernement nga na tike le 6 poste wana Laurent Désiré Kabila azo contrôler 3 quarts ya mboka et c'est que vieille Etienne Tshisekedi abise tika bitumba na yo ya kozwa 6 poste ya ministère des affaires étrangères défense atike la quelques postes. Laurent Désiré Kabila a réagi, lobby arabi, je ne suis pas concerné. Il y a Tshisekedi Wana, et puis Maréchal, a quoi que mon aké, Tshisekedi na tchaki, on a pas nommé gouvernement, pour n'a qu'au bundi sa rebelle, a quoi embrouiller les sous-équations, Yangwana Maréchal a quoi décidé, Kolongola, Etienne Tshisekedi, à Saleka, à cause de la Premier ministre, je crois, pendant 7 jours, 7 ou 9 jours comme ça, Maréchal a quoi Kolongola, Etienne Tshisekedi a quoi nommé général. A quoi Premier ministre, l'obinango, à l'ongoli, parlement, oui. Parlement est pour qui est à soutenir. À soutenir rébellion, Kabila, à féliciter. Abolir constitution. Tout à fait. Donc, voilà comment, bien que quoi embrouiller l'équation, okay. Maréchal a décidé à l'ongola. Yangwana a quoi nommé. Les derniers ministres de la défense et du gouvernement Kengo Adondo, général Ikulia Akoya Okoma, premier ministre. Merci beaucoup. Tokutani na sima ba sangona bokuse pona kokoba te kosukisa chapitre makolelo.
Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Myriam Boketchou. Top Congo FM 88.4. Première radio d'information en République démocratique du Congo. Dollar et couleur américain pour Yassika dollar et yoko zéliko sambitinyama topé et dali kokana na mille mi balé na kamambale topé 2200 francs congolais et colombo démocratique bongo koko soezali makasi mingi pinza kasse singel kozabia no bibi singeli pour yakope sabia no piko sel a été dollar et koka mingi pinza kozongela bo kasse na yango mingi pinza pe francs congolais koka mingi pinza kozongela bo kasse yango na ngabo ya dollar et couleur américain na yango bula matar et colombo démocratique kratike zali kosala manson po ya kuzungisa aliment makamateli ya bobuti ya dolar ngambo ya franc congolais wale zali songe pesa mina Nicolas Kazadi ministre telemambi ya bombi bisolo tope ya finance ya ekolo congo demokratike bongo po ya yatalisi etendako ya bombi bisolo ya kati ya ekolo RDC tope banque centrale ya congo ya kosala manson po ya kosala ete dolar ya kokalisi sute kobuta okati ya ekolo congo demokratike Top Congo FM lelo ekolo RDC zali kokundola Liwa ya Kondo Patrice et Mireille Lumumba et le Mwana Baibawa Kanaize la Moko pour le Morisi Peba Susu Kati ya Ituka ya Okatanga Bango Basela Kobo Mama Osima Bango Kosengali Panda et Kokabongo Koko Mokati Ekolo Kongo Demokratiki Bongo Ngambo Baibai Politiki Ekolo RDC Bango Babanzi Ete Sengena Bakambi Kolanda Zela ya Baibai Mi Pesa Kapo ya Kobimisa Ekolo RDC na Kokoso Kolongo la Bokeseni Koti ya Bokeseni Te Okati ya Bikolo na Pe Koti ya Bomo ko kati ekolo RDC ko bunda po ya ko pekisa ete bo kabwani ekolo ko sale mate to be balkanisation e ko to Patrice Mirolo Mumba zalaki ko tele mela oboso ya ba zalaki ko konza ekolo RDC de to tangi ba ekolo Belgique Top Congo FM. Bobo mia bato kati ya mboka kasindi tozomi na territoire ya Beni etuka Nord Kivu mokolo moyenga eleki po ya sika bato zomi na mine ndi batali samite babuma mi bango babuma ki kati ya yokonda ko ya Lusambo ezalaki ko salema mokolo moyeleki ya ile ya yenga bongo ngambo ya mukambi ya etuka Nord Kivu atali siete po ya sika wa maso mazali ko salema po ya kokolisa bokengi oyambo ya biyamba oboso ya bisika ya bomeli masanga bosu habite le pebisika ya kulia to ba restaurant mingi mingi pebisika bi bato bakotambola ka mingi po ya kopekisa ete ba terroriste to pe ba yingi simo bulu moye bakokalisusu te ko boma bato pe kozangisa bokengi okati etuka ya Nord Kivu Top Congo FM talaka na bokuse bandeko balandisa ngolo kota na lingala esuki awa na singamaki na Chris mvula na masini na nzela ya YouTube na singamaki na Dani Zayobi Petéophile Lusakwenu nde tokutani obanga ezali koya 5 éditions, 18 bulletins d'information.
Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Papa Antoine Maki, Papa José Wassamberg, Maître Willy Wewa, Mabina, okeyo zongi boloki, meme esilina lute. Top Congo, Tina 2009, Tukuzala kaka. Nyatakans, Ema, Nyatakans, Ema, Nyatakans. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. 96. Notre mail commercial @topcongo.fm. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Parlons-en, le magazine qui vous écoute. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlons-en topcongo@gmail.com.
ici, Congo Central, la Louvre. Pour la Ngaï, Brett, et je vous appelle depuis le Brésil. Mais ça, monsieur Van. Ma décision, oui, la police est à Olaj Bazui. Et ça, ma décision, Moro, il y a bien. Il faut battre ça en action, puis il faut pas ça suivre. Au cours de la pharmacie, Go est alité, plafond est alité, et puis chaleur, mieux sur Moï, Naïe, Moko, pharmacie, Gado. Parlons-en du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30, avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Troisième et dernière partie de l'émission Parlons Histoire. Aujourd'hui, avec Thomas Louakalo Senjola, nous poursuivons le chapitre consacré à la gestion de la guerre de l'AFDL et aux initiatives de négociation de paix. Tozoro Koba, na chapitre Wana, gestion yabitumba ya AFDL, na gouvernement congolais, paix, ba initiative, ya ba négociation pour na Roluka, Kimia. Tobeti li solo ya makamboleki entre février ti avril ti tango accord de principe eko pesama poete Laurent Désiré Kabila na Kondo Mobutu bakutana na utenika ozali bato ya Afrique du Sud oyo singai ko accoster na point noir poete e kutanisa bango basolola na mai kasi na République sud-africaine, parce que bateau est là qui y a République sud-africaine. Alors, vous avez na mituna, vous avez na ba réaction, vous avez les bienvenus par rapport à chapitre Oyo. Poto s'embrouillete, chapitre Oyo. Ndeko moko komeli biso justement na 089 44 44 470. 089 44 44 470, numéro SMS à l'obi. Bonjour papa Thierry, papa Thomas Louaka. Document Oyo Bazo Lobela, il fallait ba appliquer ça document au président ya Uganda ba salaka na Kagame Oyo ba pesaka Ngwanda Viviane Lukelo. Document Oyo président Museveni a pesaki Honoré Ngbanda me la Mobutu ezayi ba mi balé ba condition ba pesaka justement na combat FDL. Oui, non. Il y a oui document nande comme un petit document de base hein, il y a ba négociation oyo Museveni na Kagame ba pesa ngbanda et comme un petit document de base un peu amendé hein, Mobutu pe akoya ko amendé na batunaye na gouvernement pe ke ngwe ko amendé muke mais c'est le document de base qui va servir na ba discussion yango pe koma ki se retrouver en Afrique du Sud oyo ba émissaire américain ba pesa ki non ba américain oyo projet d'accord na bango ezala ki document mususu ezala ki wana ba Uganda te d'accord 089 44 44 471 085 000 44 40 wana ndeba numéro na biso ya téléphone pona ko joindre biso pe ko intervenir en direct. Allô bonjour 089 44 44 471 allô bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko, quitte sa volume à radio, s'il vous plaît. Oui, mon tour n'a pas été mis, Ndeko, Timba. Merci beaucoup. C'est à peu près la même configuration, la même situation avec le M23, à peu près dans le sens où les troupes rwando-ougandaises vont soutenir le mouvement congolais tout mené par les Congolais à Bengi AFDL. Mais est-ce que les Nations Unies ont qui condamné l'agression à l'époque? Parce que les Nations Unies ont le rôle d'agression. Officiellement,
officiellement, Babane Kowanga na tomoni le 29 janvier, l'Ouganda a démenti que ba soda ne bazana Congo te, et quelques jours après, le Rwanda aussi va Kowanga na peke batunanga bazakuna batunanga bazana Congo te. Donc alors que c'était plus ou moins officiel pour nanini na document oyo et ba américain ba koya ko remettre ngbanda o basengi mobutu a signé point moko ezali wana ba américain ba lobby retrait des troupes étrangères et des mercenaires. Donc tant que ba américain ba lobby ba troupes étrangères et bima c'est que ba troupes étrangères dans le Congo donc voilà. Comme toujours, moi hypocrisé, tout le monde le sait, mais voilà. Personne ne voit. Voilà. 089 44 44 471 085 000 44 40. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Totangi message. Bonjour Top Congo. Merci pour na papa Thomas Louaka. Na comprendre que ba américain de bazala ba auteur y a des ordres na mboka oyo. Ngai papa e boza na Kimbwala Don Bosco. Papa Thierry, papa invité na ligne na ba soki na tan wana papa Thomas Louaka zara na fonction nini. Pour ebi histoire ango vraiment mbo diamba depuis Kimbantseki. Na époque on a nazali étudiant à Paris. Voilà. Bonjour papa. Parlons histoire. L'histoire se focalise toujours sur le maréchal. Aujourd'hui on attend la vraie histoire sur la mort et l'assassinat de Mzé. Malheureusement, historien Bangui mais fait un effort d'inviter Monsieur Dick Appen dans l'émission Le Débat. Ce n'est pas qu'à Bangui. T'as préparé Kindé Lissolo et Lélo. Exactement. Mokola Roya, Arobeta Lissolo et Oya Yebi. Tout à fait. Arozwa, Awa Balobagi Boué, Asangisi. Parce que Makambo Azolo Batangi, Azuba témoignage et tout ça. Donc pour Azalaki Wanate. Pour Azalaki Wanate. Donc c'est comme ça. Bonjour Papa Thierry, bonjour Ndeko Thomas. CD Silabus, Lokolo Lakakibiso, Tokozo Yangoa, puis Monsieur Wilinda Kanakingabwa. Il va y répondre. On veut demander à Papa Thomas Louaka s'il pourra nous dire la cause de la mort de Mzé Laurent Désiré Kabila. Monsieur Léonard Ambujimai, cause Yaliwa Yamze Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a confié pour trois raisons. Raison à Liboso, Laurent Désiré Kabila, en tout cas, l'information Ganazanango, a boy dialogue entre Congolais ou Ezala qui est prévu. Na kore ya Lusaka. Po na nini, biro ya moderateur, to facilitateur, ketumine masire, ezala ki sele awa na Kinshasa. Donc, régime à Laurent Désiré Kabila, ba kangi, ba biro wana. Première raison, ba considérer que a boy dialogue, mouzaza ko prepare, dialogue ya ye moko. Awe ba Kongole to weko sola entre biso, sans que ba mindele ba kota. Donc, aza ou senga ba rebelle, ba na Kinshasa pour nako sola na ye. C'est le premier point. Considérer qu'il refuse le dialogue, donc le processus est allé bloqué. Deuxième élément, Ezali banquette y a Gareton, à cause de la banquette sur les violations, soi-disant, violations des droits de l'homme dans Mbandaka. Il paraît tant qu'on a fait les manières qu'on a avancé, la troupe rwandaise et Boumaka, les réfugiés rwandais mingi dans Mbandaka. Donc Gareton a ligné à la banquette, va considérer que Laurent Désiré Kabila a empêché Gareton à sa banquette. Troisième raison, Ezali déploiement à Nations Unies. Laurent Désiré Kabila a considéré que le casque bleu, il faut bah, se déployer dans le front. Bah, il n'y a pas de raison bah, qu'on se déploie à Kinshasa. Donc, il faut s'opposer à un déploiement. Il y a le casque bleu à Kinshasa. Donc, voilà les trois raisons que certains analystes avancent comme cause. Il y a Liwa et Laurent Désiré Kabila, mais la première cause, surtout, bah, Monique, processus, il y a négociation, il y a réconciliation, ils allaient bloquer Nandenge, bah, Bengani, Ketumi, les Massires et na Kinshasa. Et Zaraté Nebalwa, qui a défié les Américains, qui l'a raccroché au non, ils ont un paramètre qui a intervenu dans le sens que certains considéraient que Abane Koto Saté, Laurent Kabila, c'était un autonomiste, donc un souverainiste, pour naïe l'indépendance du Congo, n'engue le monde mandat qu'on souhaitait en gros, bah à venir, on a besoin de décider, on a besoin encore. Donc le fait que bah Mikondi Alibanda bah mandat qu'on peut faire cette instruction, il était opposé à ça, ce qui fait de lui aussi un héros national.
Tous les auditeurs, Moussousou, allô, bonjour, 089-44-44-471, 085-000-4440, allô. Allô, bonjour, bonjour, papa Tomalouaka. Bonjour. Wabi no mwana mboka pativani depuis tout le temps. Toujours kayo. Merci beaucoup bon. Moi papa Thierry me reposer la question par papa Tumaluaka. Donc on a retard que n'ayez to zoaka indépendance donc depuis la papa Lumumba. Mais tu sais quoi parce que on a mangé ce moment que nanu comment vraiment libérer tes papa. S'il vous plaît Ndeko, s'il vous plaît, Ezara, un allô? Jour, un jour, un thème. Tuna question par rapport à thème yalelo. Sokoza motuna te. Sikaba. Oui, mais indépendance, toza leona indépendance te, s'il vous plaît. Tuna par rapport à guerre et à AFDL na ba négociation. Sujet to lobeli lelo. Ça va on se comme azo tuna donc pour la guerre wana ya AFDL na ba o bazaki donne semaine en mon presque zelaka ba minele. Pour zelaka ba wane ba moko na ba ogande. Ne pena ba kota te donc ba minele ne ba pesaka ba mwa pui. Yango tozo ba ke si chiko toza ka na sous ordre ya ba minele. Yango ba konza so donc toza vraiment na ba moko. Tuani koza malam. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à l'invité. Si quoi balongola qui fait tu sais que dipon a trois causes précitées. Kasi Kengo Adondo, démissionnaire toujours maintenu au dernier poste. Kassin position à général Mayele. Monsieur Jules. Bon, position général Mayele, on verra ça en entrée à Fidel, non? Non. Si quoi yotango Kengo Adondo. A kwei chiseke dia ya sali gouvernement na ye a longwe likuli ya kwako sala gouvernement likuli ya kwako nomé général Mayele ko azala ki nomé chef d'état major général Mayele ya kwako comme appelé ministre ya défense na gouvernement likuli. Voilà, bonjour Top Congo, je demande à Thomas Louaka s'il peut me citer les noms de tous les enfants de Mzé Kabila, c'est Mary Bakaya depuis Badiading. Non, nous allons nous mettre parce que Laurent Désiré Kabila entre nous à Botaki Banamingi. Exactement, nous allons nous mettre en train de nous mettre en train de par rapport à la vie, nous allons nous mettre en train de parce que Laurent Désiré Kabila a été en train de nous mettre en voilà. Mobutu alongola ki kengo le jour où Jacques Foccart a koufaki poye azala ki mentor ya kengo et Mobutu a bangaki. Anzuluni asala nécessaire. Voilà. Bon. Bonjour Top Congo, bonjour invité. Edi Kapen aya ko relater histoire ya liwa ya mze. Poyende ya zala ki présumé ba funda ki est comme Tabouma ki est. Bon organiser émission na ye. Je pense que il est là, il est libre. Tout à fait. Il s'est exprimé hier au mausolée. Maintenant nous namona bana au sala penza ba émission te hein, depuis qu'il est sorti de prison. Okay. Nous allons le solliciter. Pourquoi pas dans le cadre de la mémoire, tout émission à Bisso et à Top Congo, où il y a des histoires, dans le cadre de la mémoire. Et dit Kapend, à Rosala, invité à Malam pour avoir des histoires. Et que ça l'intéressant, tu as une version. Voilà. Voilà. Pour avoir des histoires, il y a des bribes. Il n'y a pas la chagrin de Soussou par rapport à R. Aliwa et à Mouzé. Tous les auditeurs, mon Soussou. Allô, bonjour. 089-44-44-471. 085-000-4440. Allô? Allô, bonjour, papa Thierry. Bonjour. Bonjour, ma papa Thomas Louaka. Bonjour, Ndeko. Et l'inga, il parle de Pantou, la dengue du Nord, la Mombele. Toujours. Allez, papa Thomas Louaka, vous pouvoir Nini, Kabila, le père à Zalakanango, Oyem, Zalaki, n'a pas ça, il y a un mot. Mais la rencontre Nyonso a bané pour imposer Mobutu, Kaka Oya Lingi. Pouvoir Nini Azalaka na Woli Koloya Mobutu a pour Kitaka na Nini, la maladie na ye, ou bien Mobutu, mandana ye kaka nenge koma na souka nenge ba nindele ba la chaka ye, yangwana a bané pour se poser Likoloya Mobutu. Oh, na Mobutu, na kabila le père, moutala ki na posse a mounima, et la ki kabila le père pour ba négocier pour Mobutu a tika pouvoir. Mais Kabila le père a donc posé mon bout même dans ma rencontre et Nyonso et Rokuta Anaye. Pour comment qui malade, il faut pas m'aider à la chaque qui est. Merci beaucoup. Merci. Bon. Voilà, Goutou, Nambi. Allez, allez. Allez-y, ouais. Laurent Désiré Kabila a gagné la terrain. Donc,
c'est la position à force. C'est ça. Ndeko, c'est simple comme réponse. Je pouvais même vous épargner de cela. Tout à fait. Rebelle, où il y a force dans le terrain, où il y a gagné, où il y a territoire. Naturellement, comme une position de force par rapport à pouvoir en place. Bien sûr. Hein? Donc, comment est-ce que vous négocier ça là qu'il est pouvoir à Kinshasa. Il y a un yoki diplomatie, Mobutu a tindi misera, wa tindi boye, azo Singapour, voilà. Si Mobutu était en position de force, il n'allait pas négocier avec Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est parce qu'il était fort sur le terrain, azo ko avancer, azo zoba territoire, et face à la faiblesse, il y a armé Nabiso, voilà. Donc, il y a un comment il a ma casse, il a exigence, c'est belé, belé. C'est partout, hein, c'est du classique d'ailleurs en cette matière. Donc, rebelle se basant en position de force, il faut toujours monter les enchères pour la négociation. Même pour la 1 plus 4, un jour on aura la vraie histoire de 1 plus 4. Moi je me rappelle toujours, il y a menace, c'est belé, belé, il y a mouvement rebelle, au RCD, il y a menacé Babima, il y a exigé et tout ça. C'était très compliqué. Ce qui est ma casse, c'est Betty Bango pour négocier, c'était le cas M23 en 2013. Négociation, c'est la quitte. Voilà. Tobeti Bango Bakei, les loyaux, tous en position en faiblesse, tous obligés à discuter d'abord. Voilà. Bonjour, Ngaï Blanchard, Botou Nelanga invité. Tango Moutou, Oyo Aleka, Ponako, Bomamze, Ponako Mamze, Balagi. Oh. Mais tous les Belaliwa, Mzete, les loyaux. Voilà. Bonjour, Tounel Abisso Thomas Louaka. Si vous avez un bout de bois qui est en Afrique du Sud pour la négociation, vous avez un Braza, to Lomé, bon, Lomé était, mais Abaki, Congo Brazzaville, to Gabon. Vous avez un Braza, to Lomé, puis président d'Afrique du Sud, à l'objet de la bateau, na Mwanda. Pointe Noire, Yaromi Mwanda. Bakutanaki, na bateau Ango, Augustin Nambujimai. Wana épisode des Apollo. Épisode de Koya. Des négociations. De Koya Nambujimai. Zala et vos apaisements. Le mercredi prochain, tu relobes la négociation, il y a Outenika. Bakutanaki. Mardi. Mardi. Mercredi. Mardi prochain. Bakutanaki, Bakutanaki, tu remontes en gros mardi prochain. Et tu relobes la paix, Soussou, un peu plus tard. Nere AFD, les côtés Nagisasa. Exactement, vous allez faire un régime et un maréchal Mobutu. Merci Nayo, Ndeko Thomas Louaka, chercheur en histoire, je le rappelle. Merci Nabaye Banso Balandi Bisso. Un mot sur le 17 janvier, les loyaux, Toloka et Saliwa. Liwa et Lumumba. Et loko et côté ça, Lumumba na histoire, Yamboka na Bisso, Abima Lelo, héros national, et Zali, quelques bitumba mena na vinaye. Congo tango, ba Belge, baye, ba Sali Congo, do ba Kati ba frontière, ba Sangisi ba Bikolo, ba Tie Bisso toko me loko mongo. Avant, si quoi autant que Belgique bandit bakende, débat bandit dans la classe politique congolaise. Congo comme mboka bandit coexistait avant Belgique baya, bah Belgique mutuba sali ango, loko la bavani kokende toka bwana. Exemple, moko tozalaki nango, il y avait une entité politique en face na biso kaka banda ko bengango Afrique équatoriale française. Ezalaka pe na taille ya Congo elekaka Congo mamuke. Yango banda ko sala 2 500 000 km², ba bengango Afrique équatoriale française, capitale nango ezalaka Brazzaville. Na 1958, colonie française wana ba décidé ba kata yango et créé bikolo mine. Congo Brazzaville, Centrafrique, Gabon, na Tchad. Donc et colonie moko et kati et pesi bikolo mine. Et pesi ide na ba congolais mususu to kata pe Congo to sala bikolo mine ou bien mitano ndenge tolingi. Il y a un autre courant politicien dit représenté par Lumumba. Alors, il y a solo Congo, ils ont été avant Belgique. Les Belges n'ont pas créé Congo. Congo comme État, ils ont été créé par créé la rivière Banine, comme État. Mais si il y a 80 ans de colonisation, ils ont maltraité Bissot, parce que Wana et Sali sont comme Moutou Moko, sont comme une nation, sont comme une Mboka Moko. Il faut que la population arbitre entre les deux thèses. Tokata Congo ou bien to garder Congo et Loko Moko. Il y a en 1960, la population est coupée sa raison. Na courant Lumumba, il y a un nationaliste, nation moko et kolo moko. Et donc, non à la balkanisation. Non à la balkanisation. Voilà. Combat na ya liboso, il y a Congo etikala na bon moko, il y a combat mi balé indépendance, de kozo indépendance, a contribué. Ce n'est pas le seul. Hein, il a contribué. Kasavubu a commencé la lutte pour l'indépendance avant Lumumba, mais il a contribué. Troisième combat na ya wa yokufela, Tchombe. Malgré que la population qui s'est prononcée, Tchombe na Kalonji, Bakati Congo, Balkanisé Ango, Katanga, Basali, État indépendant du Katanga,
Kalonji a sali au état autonome du sud Kasai. Donc Congo bandi okatana Lumumba aiko bunda pona Congo ezonga na bomoko. Donc voilà un peu quelques engagements ya Lumumba o esala kike a kota na histoire ya Congo comme l'un des plus grands politiciens na histoire politique ya mboka na biso. Voilà pourquoi toza ko rendre hommage parce que ayebaki ki ba position za ko zwa eza ko memaina liwa aloba boye. Je m'en fous, ce qui est le plus important. Luanda n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est l'avenir du Congo. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Technomobile vous fait découvrir le modèle Povaneo, doté d'une batterie de longue durée.